Bienvenue au Centre Paul Roulant. On est un organisme à but non lucratif ici à Montréal. Le Centre Paul Roulant, ça fait 17 ans que ça existe. Ça a commencé comme une petite papote roulante, une initiative de deux amis qui travaillaient au café Centre Paul, qui est situé tout près d'ici. Le lounge des bénévoles où on était assis. Donc c'est ici que les bénévoles se rencontrent à 2h45 quand ils arrivent pour faire leur chiffre de livraison. Donc, quand les bénévoles arrivent à 2h45, ils voient leur nom, ils voient quelle route leur est assignée, prennent cette feuille-là, prennent connaissance des différents clients à qui ils vont livrer des repas. Après ça, ils vont en cuisine, prendre les repas, faire leur sac de livraison, puis ils partent en livraison pour la journée, puis ils reviennent après ça ici. Donc, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, je vais te montrer la cuisine. Comme tu vois, il y a ici Naomi qui travaille ici au Centre Paul Roulant, qui est en charge. Il y a toujours un employé qui est du comité de papote roulante, de Mao, qui est en la cuisine avec les bénévoles, qui fait la supervision. Donc, c'est l'atelier vélo qui est vraiment géré par les bénévoles. Il y a toujours un bénévole qui est ici. Puis les gens qui veulent venir, soit pour, ils peuvent venir de façon un peu sporadique pour réparer leur vélo, pour l'entretenir, ou ils peuvent aussi devenir membre de l'atelier vélo puis avoir accès à l'atelier. Donc il y a tous les équipements, tout l'outil. Il y a un bénévole qui est ici pour aider aussi à la réparation ou à l'entretien du vélo, pour répondre aux questions des gens. Dans la production de nos jardins, tout ça, tout est biologique. Mais tout ce qu'on achète aussi à l'extérieur, on essaie que ce soit biologique, local, que ce soit au niveau de la viande, que ce soit au niveau des légumineuses, de la farine, tout ce qu'on utilise en cuisine. Comme je te disais, dans notre optique d'avoir le cycle alimentaire fermé, on fait notre propre compost avec les déchets de la cuisine. Il y a des bénévoles qui s'occupent aussi, par exemple, du compost, qui vont être en charge pendant un mois ou deux de venir l'entretenir, de venir l'utiliser, dans le but aussi parce qu'ils démontrent un intérêt et parce qu'ils veulent aussi apprendre ça. Donc on essaie d'être un endroit où les gens peuvent venir chercher un peu ce qui sont dans leurs intérêts puis dans leurs besoins aussi d'apprentissage. Donc ici, la terrasse, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'utilise pour justement démontrer avec les bacs pour faire de l'agriculture, mais c'est un espace qu'on utilise aussi l'été pour faire des projections de films, pour faire des ateliers, pour faire des rencontres. Et là, c'est le Mont-Royal? Ouais. Oui? Oui. Tu vois, à peu près le tiers de notre budget est par rapport à de l'autofinancement qu'on fait. L'autre tiers va être des donations, que ce soit des clients, des membres de la communauté, des fondations, tout ça. Puis le troisième, c'est vraiment des subventions qu'on reçoit soit du gouvernement, de la ville, de d'autres fondations aussi qui vont nous financer à l'intérieur de l'organisme. Donc, on a trois façons un peu d'être financés qui sont à peu près réparties de part égale, un tiers, un tiers, un tiers. Puis tout est très démocratique. On fonctionne beaucoup par cette réunion-là où on va faire des info-share, où on va avoir des discussions plus en profondeur, où on va prendre le temps pour voter par rapport à des décisions qui touchent tout le Centre Paul Roulant, où chaque équipe va un peu parler de où ils sont rendus dans leur programme. Il y a l'équipe du MAO, qui est le Meals on Wheels, il y a l'équipe de l'agriculture urbaine, il y a l'équipe pour le bénévolat. Ça, c'est vraiment comme les trois programmes, un peu, si tu veux, qu'on a au Centre Paul Roulant. Mais c'est sûr qu'à part c'est ça, il y a des employés qui s'occupent un peu plus des ressources humaines, un peu plus du financement aussi, qui est vraiment une partie très importante aussi de notre travail là, pour qu'on puisse survivre et qu'on puisse continuer de faire ce qu'on fait et de grandir là-dedans. Mm.